your head. Hit that side check. Put it in pockets like a bag. Going downtown. Hey yo, refrain, tu veux du bon Toshi? Non, c'est mon cosplay Assassin's Creed, ça, en fait. Je crois qu'on va refaire l'intro. Yeah les amis, c'est Kanguinou, j'espère que vous allez tous très très bien et aujourd'hui on embarque pour le Londres du 19e siècle dans Assassin's Creed Syndicate, j'espère que ça va vous plaire. Let's go! Ok les enfants, leçon d'assassin numéro 1. Quand tu vois un type en rouge, tu lui niques sa race. Yeah man! Wouh! On aurait dit le début d'une blague, genre j'allais lui faire un tear slip ou une connerie comme ça. Bon, sauf que je l'ai ventré sauvagement, mais voilà, après, voilà. Et vu que je suis un putain de sadique, on va jouer avec son cadavre, c'est cool. Bonjour, enchanté. Le mec est choqué à vie, carrément. Pourquoi tu parles à ce balai? Peut-être il essaie de faire comme dans Harry Potter. Debout! Debout! Bon, écoute, vu que tu as une carence affective avec ce balai, je t'offre ce garde royal anglais, voilà. Fais-en bon usage. Oh, un petit, passe le... C'est vraiment pratique, ces balais automatiques, hein. Merde, je suis repéré, putain, non. Oula, bonjour, enchanté, comment allez-vous? Bougre le fiotte! Bleu. Putain, ça fait longtemps que je pas joué à Assassin's Creed, putain, je suis rouillé. Prends ça! Oh, la double. You were a fucking problem, man. I'm a fucking gangster. Bon, à ce que je vois, il y a pas mal de monde ici. Donc ma vision d'aigle et mon sixième sens d'assassin vont me permettre de lire dans l'esprit des gens. Lui, il s'appelle Robert Richards. Et on peut dire qu'il pète dans la soie. Comment vas-tu, Robert? Bien, tranquille, la famille, au calme? Oh, il sent bon ton parfum, wesh. Ah, c'est du Coco Chanel. Bon, qu'est-ce qu'on a dans le coin? Bon, lui, il s'appelle Timmy. Et son rêve, c'était de devenir pilote d'avion. Le con. Cassez-vous, bande de couilles molles. On tire là, go. Wouhou. Oh, pile au bon moment. Pour une fois qu'ils sont pas en grève. Je vous emmerde, je me tire d'ici. Wow, merde, derrière moi, putain. Ouh, c'était fripon. Putain, ils sont nombreux. Wow, vous arrivez quoi, là? Ouh. Allez, venez, je vous attends, bande de bitch. C'est la mort la plus nulle du jeu, je crois. Oh, je suis mort. Le paradis. C'est ça, le paradis? Et elles sont où, les bitches qu'on m'avait promis? Je te défonce. Oh, on se reverra peut-être plus tard. Il y a un petit retardataire là-bas, il est tout seul. Petit, j'arrive. Oh non, on l'a perdu. Non, je crois qu'il a mis fin à ses jours. Oh oh. Oh merde, ça craint. Il semble qu'on ait fait un arrêt imprévu. Toujours le mot qui tue. La prochaine fois, j'irai à pied. Oui, c'est bon, stop, arrête avec les punchlines tout le temps, c'est relou, là. Tu marches dans l'ombre d'Ezio. Ah, cette belle ville de Londres. Ouh, je suis tellement content d'être ici. Salut, bien ou quoi? Ouais. Comment je l'ai bougé, normal. Espèce de malotru. Non, je regardais le lampadaire, là-bas, là. Voilà. Bande de pervers. Oh, lui aussi, il pète dans la soie. Toi, tu pètes dans les feuillages, toi, oui. Tiens, je te donne des pièces. Ah merde, ça, c'était pas des pièces. Le con. Excuse-moi, vieux. On se rappelle. Putain, c'est stylé, les diligences, hein. Putain, mais ça change, mais du coup, il y a très peu de gens dans la ville. Waouh. Excusez-moi, pardon. Bon, allez, explorons cette ville de Londres. Tiens, qu'est-ce qu'on a ici? Ça, c'est un marché, je crois. Waouh, un marché, mais c'est énorme, ici. Ouais, pourquoi tu m'attaques? J'ai rien fait. Sorry, I'm so sorry. Eh, quand t'es recherché, t'as un espèce d'anneau autour de toi. Genre, on dirait un hula hoop. Dégage. Eh ouais, mon pote, Assassin's Creed, c'est devenu GTA. Fuyons à travers les ruelles. Oh non, ils nous pourchassent. Allez. Oh, stylé. Je mets sur le toit. C'est cool. Yeah, je slide, my nigga. Merde. Ah bah, il m'a surpris carrément. Comment je m'y attendais même pas, putain, j'étais là, je faisais mes bails. Et puis la mort est venue s'emparer de moi, quoi, d'un coup, genre... Ouais, le paradis sans bitches, ouais, c'est cool, allez. Je prends la route de l'Angleterre, histoire de prendre un peu l'air. Putain, mais... Merde. T'as dégagé, putain de keuf. Putain, j'ai fait un excès de cheval, quoi. Dès qu'ils sont venus siffler, là. Le cheval, il m'a pas respecté. Il m'a mis un coup de museau, il a fait... Ouais, tu vois pas, je suis sur la route, frère. Leçon d'assassin numéro 2. L'escalade. Ouh. Oh, Londres, au 19e siècle. C'était magnifique. Ah, oh, les habitations, les premiers carrosses, les bateaux.
Et le début de la pollution aussi, oui. Ok, notre mission à présent, buter Harold Drake. Je sais pas ce qu'il est fait. Mais en tout cas, la caméra part en couille. C'est une belle caisse, ouais. Ouais, très jolie, ouais. Une belle consistance, ouais. Ok, ce garde a l'air trop occupé. Je peux passer, du coup. On continue. Harold Drake n'est pas très loin. Je vais lui régler son compte. Et plutôt deux fois qu'une. Wouhou! Merde. Non, c'était lui, Harold Drake. Je me suis bourré, putain. Tiens, prends ça. Prends ça. Prends ça, misérable fripon de... Merde. Attends, il y a son gros molosse là qui est là. Je vais pas me faire niquer par un mec avec une chemise à carreaux quand même. Ça va pas ou quoi la tête? Allez, venez. Venez, le gang des chauves. Trois monsieur propres pour le prix d'un. Mais c'est beaucoup trop. Ils vont me défoncer. Ah, c'est bon. Je suis énervé. Le petit Harold Drake, je vais lui éclater sa race une bonne fois pour toutes. Bonjour Harold. Au revoir Harold. Voilà. Ça, c'est un assassin efficace. Nique les Templiers. Nique tout. Oh putain, merde, ils m'ont retrouvé. Mais non, putain, c'est pas ce que je voulais faire. Oh merde. Il a un problème, lui. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il veut, le monsieur? Je te fais un câlin. Non, je rigole. Hey, petite. Ça va? Tranquille? Hey, tu veux voir un meurtre? C'est génial, hein. Wow! Je suis dans ma féfé, t'as vu? Dérapage, dérapage! Eh, c'est du combien de chevaux ça? Bah, c'est du 1 chevaux. Il y en a qu'un. Je pratique l'humour, oui. Oh, il y a un bateau! Oh, si, si! Attendez, comme dans les films, comme dans les films, je vais sauter dessus! Comme dans les films! Wouh! Yeah! Et ce type-là n'en a rien à foutre. Hey, fripon de bas étage! Amène-toi! Et. Par le fond. J'espère qu'elle est pas trop froide. Oublie pas de te mouiller la nuque avant d'aller te baigner, mon chéri. Je me demande bien de quoi ils peuvent parler. Eh non mais laisse tomber, Cindy, c'est trop une salope. La meuf l'autre fois elle me dit quoi? Elle me dit ouais, tout ça et tout, nanana. C'était très enrichissant. Leçon numéro 3 d'assassin, boire comme un homme. Tavernier, j'ai grand soif. Sers-moi un breuvage. J'ai toujours rêvé de faire ça. Un breuvage, fils de pute. Ah, tu prends la poudre d'escampette maintenant, hein. Ok, donc du coup c'est toi qui vas me servir, petit. Alors je vais te prendre une bonne... Une bonne verveine. Une bonne verveine bien tiède. Aïe, Big Ben devant. Aïe, Big Ben, wesh. On dirait on va voir un MC trop hardcore et tout, tu vois. Non, on va voir une horloge. Merde. Voilà, je viens de m'auto-écraser. Ils sont amoureux. Bah, il vient de lui toucher le boule. Monite brute. Déguerpissé. Ah merde, j'ai tué le mauvais, le con. Attends, le mec a rien compris quoi, il sauve les agresseurs et il tue les innocents. Ok, ok, on est sur Big Ben, yeah. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de connaître l'heure? Eh, c'est le moment ou jamais, dites-moi, là je suis bien placé hein. Oh, les jardins royaux, mais cet endroit est pour le moins magnifique, dis donc. Elle est où la reine d'Angleterre, que je lui fasse les fesses là? Mon trésor, yeah. Oh, il y avait de la soie, du métal et 724 livres sterling. C'est qui ce sterling? Il écrit des livres? Ah, je suis postiche au bloc avec mes gars sûrs, Jean-Ernest et Jean-Édouard, on est là. Cette statue représente Jean-Ernest Dutron, troisième du nom. Je vous rappelle qu'il est totalement interdit de monter dessus pour y agiter son popotin. Ouais, y a pas de souci, moi je risque pas de... Oh, c'est trop tentant! Mais c'est super grand ici, putain. Oh, on peut... Mais non, putain, je peux pas l'accrocher, fais chier, il y avait des trucs intéressants peut-être derrière. Pour la peine, je vais me masturber là-dedans. Ouh, c'était génial. Oh, des jardins trop classe, cool. Putain, mais vous avez quoi contre moi encore? Qu'est-ce que je vous ai fait? Vous me boycottez, c'est ça, parce que je suis un assassin? Et vous, des Templiers? Ce qui est tout à fait logique. Il court, le furet du bois joli. Nugue. Oh, le coup de tête que j'ai mis. Il a perdu des facultés mentales, le mec. Merde, putain, mais arrêtez de me tirer. Oh, les baltringues, ils me tirent dessus. Nage, petit assassin, nage. Leçon numéro 4, bien nager. Swing for your life, man. Eh, vous cassez les couilles, là, tout le temps être là. Oh, con, tiens. Allez, hop, balayette. Ich. Oh putain, oh il est énervé comment il court. Oh il est énervé. Oh pépère il est énervé. C'est la course poursuite la plus ridicule de tous les temps. En plus il s'est fait stopper. Oh il s'est fait stopper par un keuf. Il est arrivé. Mich, mich. Oh Buckingham Palace. Eh c'est Marge Simpson. Ça va ou quoi Marge Simpson? Du balai. Je pense que la cinquième et dernière règle pour devenir un bon assassin, c'est d'assurer à la conduite. C'est-à-dire que tu fais ton petit créneau, hein, bien, tranquille, tac tac. Et Oh mais qu'est-ce que je vois là, dis donc? Motherfucker! Meurs dégarni du crâne. Moi je me fais respecter. Oh merde! Putain! Vite! Enfuis-toi! Enfuis-toi! Oh merde, ils m'ont dessus, putain! Il m'a carjacké normal. Putain, je veux fuir moi, je veux juste fuir. Je veux juste fuir. Et c'est donc sur cette magnifique tentative de course-poursuite que je vais vous laisser. J'espère en tout cas que vous avez kiffé cette vidéo. Moi perso j'ai passé un bon moment, donc j'espère que vous aussi, voilà. En tout cas je vous invite à laisser un petit like, à partager et à commenter si c'est le cas. Et puis voilà, sur ce c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos toujours plus folles. Gros poutou.
Michigan.